Les éditions Sarbacane ont été fondées par Frédéric Lavabre, qui m'en a confié le catalogue, donc la création du catalogue, en 2003. Les premiers albums sont parus en 2003. Donc, nous avons commencé la maison d'édition avec le texte illustré, qui constitue l'album, on va dire, enfin, du texte et des images. Ça correspond en fait à notre histoire, Frédéric et moi-même, puisque Frédéric, lui, était directeur de création. Il a fait des études de graphisme. C'est quelqu'un de l'image, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'image, le dessin, l'illustration. Il aurait pu devenir illustrateur, comme il dit. Souvent, bah, il a mal tourné, il est devenu éditeur. Il a travaillé pour les autres, il a mis son savoir-faire au service des autres. Donc, spécialiste de l'image, il a travaillé pendant 15 ans pour les autres éditeurs, les éditeurs de la place que vous connaissez, adultes et jeunesse, en créant des couvertures, en créant même des livres clés en main. Et puis, arrivé à l'âge de 40 ans, après 15 ans de carrière, il a eu les moyens de se lancer tout seul, l'envie. Et les moyens. Alors, les moyens, c'est important parce que les moyens, ça garantit l'indépendance, la liberté de choix, de création. Quand on travaille pour les autres, quand on se met au service des autres, bah, il faut tenir compte de leurs propres objectifs. Quand on devient éditeur indépendant soi-même, on fait ses propres choix, on les assume. Alors, on assume les réussites, mais on assume aussi les ratés, parce qu'il y en a forcément. On apprend tous de nos échecs, on a tous pas seulement des réussites, et surtout quand on débute dans le métier d'éditeur, parce que travailler pour les autres, ce n'est pas la même chose que travailler pour soi, assumer ses propres choix. Donc, bah, les moyens, il les a eus grâce à son bureau de création graphique qu'il avait développé avant, quand il travaillait pour les autres éditeurs, et il a entièrement réinvesti. La vente de son bureau de création graphique, bah, la somme qu'il en a tirée, l'a entièrement réinvestie dans la maison d'édition. Je trouve que c'est important que vous le sachiez parce que c'est un investissement personnel et c'est un investissement qui est devenu rentable seulement au bout de 6 ans. Donc, vous voyez, premier album paru en 2003, il a fallu 6 ans pour qu'on arrive à l'équilibre. Donc, on a commencé avec un salaire et demi, et puis petit à petit, on a grandi grâce à des albums que je vais vous présenter et dont certains que vous connaissez sûrement. Donc, Frédéric, côté image, et moi, côté texte. Alors, moi, mon parcours d'éditeur, quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes études, moi, il n'y avait pas de master d'édition. C'était il y a longtemps. Et donc, moi, j'ai fait des études de traduction. J'ai été traductrice et j'ai travaillé beaucoup en communication et j'ai travaillé en presse aussi, ce qui m'a été fort utile aussi pour travailler dans l'édition, pour savoir communiquer, parce qu'un éditeur aujourd'hui, il fait des livres, mais il doit aussi présenter ses livres aux commerciaux, aux bibliothécaires, aux libraires, à la presse, à des publics très variés. Donc, savoir faire de la communication et savoir s'adapter, c'est aussi une façon de défendre les livres, ce qui est très important. On y reviendra. Donc, moi, je travaille au départ comme traductrice, je travaille aussi pour l'édition, de mon côté. Alors, pas seulement, aussi pour la presse. Et puis je travaille pour l'édition, je travaille plutôt sur le roman. Je travaille sur le pratique et je travaille aussi avec des éditrices j'assiste au départ. Je suis lectrice du domaine étranger en anglais et en russe et je suis peu à peu, je fais ce travail éditorial de présenter, de faire des choix. Parce qu'être éditeur, c'est la première chose. Être éditeur, c'est faire des choix. Et c'est souvent des choix cornéliens. Donc, texte-image, moi je travaille beaucoup sur la langue aussi en tant que traductrice. Et Frédéric et moi-même, donc nous décidons en mars 2002 ensemble de créer cette maison d'édition d'abord uniquement autour de l'album, parce qu'on aime l'album, parce qu'on aime l'image et le texte chacun, et parce qu'on aime aussi beaucoup la littérature de jeunesse. Aujourd'hui, alors là, j'ai des chiffres que je n'ai pas mis à jour parce que ça bouge tout le temps. En novembre 2020, on avait à peu près 750 titres actifs, mais qui sont répartis en éveil, en album jeunesse et également en roman. Donc ce matin, en jeunesse, je vais vous parler de l'éveil et de l'album.
parce que je suis l'éditrice depuis le début et je le reste aujourd'hui. Et nous avons un éditeur, Thibaut Bérard, qui nous a rejoint pour les romans. Et Frédéric, de son côté, a ensuite, dans un deuxième temps, développé tout un catalogue de bandes dessinées pour adultes, un peu jeunesse et pour adultes, de romans graphiques. Voilà. Alors, je continue cette petite introduction en prenant l'exemple des albums Sarbacane. Alors, les albums Sarbacane, j'ai voulu les concevoir autour d'univers d'auteur, quel que soit l'âge auquel on s'adresse. Avoir la première valeur, comment dire, la pépite pour un éditeur, c'est l'auteur. C'est trouver des bons auteurs, les accompagner, faire démarrer des jeunes auteurs, faire découvrir de nouveaux territoires aux auteurs qui sont déjà installés, reconnus, mais on n'est jamais installé longtemps, hein, parce on peut être poussé par les jeunes qui arrivent derrière, et puis on est poussé aussi par sa propre envie et son propre désir et besoin de se renouveler. Et la question de la durée, elle est essentielle. Elle est essentielle pour un éditeur, c'est-à-dire se lancer comme maison d'édition, publier un livre ou deux, c'est pas très difficile, entre guillemets, parce qu'on peut un peu faire ça dans sa cuisine. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir un bon diffuseur, d'avoir une diffusion nationale. Il y a un peu de bruit dehors, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Je vais fermer la fenêtre. Me revoilà, excusez-moi. Donc, la question de la durée, elle est primordiale. Se lancer, ça ne coûte pas très cher de faire un livre. Ça coûte beaucoup plus cher de faire plusieurs livres, de créer un catalogue, de le faire durer, de garder les titres du fond au catalogue, de réimprimer régulièrement. C'est une autre paire de manches plutôt que de publier un livre de temps en temps. Donc, nous n'avons pas voulu faire de la micro-édition, autrement dit. Nous avons voulu, dès le départ, avoir un catalogue qui allait grandir, qui allait s'adresser à un très large public, qui allait être national et voire international, puisque nous vendons également nos livres à l'étranger. Donc, la question de la durée et la question de se renouveler, c'est une autre paire de manches, et c'est la même chose pour les auteurs. Et pour nous, notre trésor, ce sont les auteurs. Donc, on va développer des univers d'auteurs. Je viens de vous dire que j'étais traductrice à la base. Pour moi, l'attachement au texte et à l'histoire, il est central. Et on travaille sur la langue également. Donc, pour ça, bah, il faut justement travailler avec des vrais auteurs, avec des gens qui savent manier la langue, qui savent travailler une narration, qui ont le sens de la musicalité du texte, qui ne vont pas employer des formules toutes faites, des phrases toutes faites, des clichés tout faits. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on redoute, ce qu'on voit beaucoup. Ça peut être il y a beaucoup sur les tables des libraires, on trouve beaucoup de livres pour lesquels il n'y a pas cet attachement à la qualité du texte. Pour nous, c'est essentiel. Et en même temps, cette qualité, on veut qu'elle soit accessible à tous, qu'elle soit accessible au plus large public. On ne s'adresse pas à une élite, on ne se parle pas entre soi, on ne fait pas des livres de graphistes pour les graphistes. On ne fait pas des livres qui pensent pas à leur public. Et nous, notre public en album, ce que j'aime énormément dans l'album, et vous le savez, c'est qu'on a un double public. On a les parents, les adultes, parfois c'est vous les adultes, c'est vous les médiateurs du livre qui êtes des adultes, vous êtes aussi notre public. Mais d'abord, surtout, et notre destinataire final, c'est l'enfant. En album jeunesse. Alors, à différents âges, évidemment, en éveil, c'est des petits, hein, 0-3 ans, et puis après, on va avoir la maternelle, on va avoir le primaire, et on va aller jusqu'au collège. Moi, je crois beaucoup à l'album pour les grands, je vais vous en montrer dans notre catalogue. J'ai vraiment voulu structurer le catalogue de façon extrêmement diversifiée, extrêmement ouverte. Sur le plan d'illustration, vous allez voir qu'on a des styles très divers et également donc accessible à tous. Qu'est-ce que ça veut dire être accessible quand on fait des albums pour les enfants? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fil qu'ils puissent tirer. On va leur tendre la main, on va penser à eux, on va être tenté d'établir une complicité avec eux. Alors quand je dis on, moi en fait, c'est-à-dire que moi comme éditrice, je suis la première lectrice des manuscrits qui arrivent, eh bien je vais rechercher ça dans les textes que me proposent les auteurs, que je les connaisse ou pas. Je reçois une dizaine de textes, de projets, de manuscrits par jour à peu près.
Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, quel que soit que je les connaisse ou pas, si vous voulez, je vais accorder la même attention. Je vais regarder si je suis touchée ou pas. Et ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de très connu, par exemple, si je ne suis pas touchée, je ne prends pas. Et ça, cette intégrité, cette rigueur, j'y tiens absolument. Après, moi, je suis touchée et après, je me projette vers nos publics. Bon, je commence à connaître bien depuis presque 20 ans maintenant de la maison d'édition, sans parler de mon expérience passée et de toutes les rencontres qu'on a faites sur le terrain. Pour moi, c'est essentiel aussi ça, de rencontrer nos publics, d'aller dans les écoles, ce que je fais aussi régulièrement. Donc, je vais évidemment me projeter vers les enfants, vers l'idée que je me fais de nos publics variés. Mais c'est aussi des choix subjectifs. Ça, c'est très important. C'est ce qui va faire qu'un catalogue aura une personnalité. Un catalogue, c'est le reflet des choix de l'éditeur. Donc, c'est ce que j'ai dit en préambule. Être éditeur, c'est d'abord choisir. Comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Et parfois, choisir, c'est douter. Alors, quand le texte ou le projet n'est pas de qualité professionnelle, n'est pas publiable, si vous voulez, de mon point de vue, c'est facile, parce que là, le niveau n'y est pas. Quand c'est déjà génial, excellent, c'est rare, mais ça peut arriver, c'est facile, on dit oui tout de suite, et puis il y a tout l'entre-deux. Et l'entre-deux, bah, c'est là où c'est le plus difficile et c'est là où on exerce notre métier. Ça dépend des jours. Il y a des jours où on est plus affûté. Il y a des jours où on se dit, là, je doute, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle décision prendre. Donc, je le mets de côté, j'attends un peu. J'y reviens. La nuit porte conseil ou parfois la semaine porte conseil. Voilà. Donc, ce catalogue accessible, vous allez voir comment, j'espère. Nous l'avons rendu accessible en essayant, avec cette volonté, d'avoir une exigence sur la qualité du texte et des images, évidemment, mais à la portée de tous.